Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Guy. On est en voiture et on va quitter Paris pour un petit week-end de 3 jours. On va en Normandie. On va aller visiter la plage d'Omaha Beach, là où il y a eu les débarquements américains. Donc, on vous emmène avec nous pour ce week-end et on vous montrera un peu tout ce qui se passe. Au cours de ce week-end. Là on quitte Paris, on est encore à Paris et on doit arriver là-bas à 16h30. Donc voilà, il est 13h36, donc je sais pas si on va y arriver à temps, mais pour l'instant voilà. Ça fait trop du bien de pouvoir partir après je sais pas combien de mois de taf intensif, après les soldes et tout, franchement ça fait trop du bien. Donc là j'ai 6 jours off. Donc voilà. C'est trop cool. Trop cadeau. Bye bye toi Fan. À demain. Non, à lundi. Bon allez, à mardi. Et on s'arrête maintenant pour manger. Les filles ou les garçons, non? Et il est 3h. Et on avait trop faim. Guy voulait s'arrêter un peu parce qu'il avait mal aux jambes. Et je pense que je vais reprendre un peu le volant. Il pleut dehors. En fait, il a plu. On a vu de la neige, de la pluie. Mais là, il commence à pleuvoir un peu. Je sais pas si vous voyez le gros nuage là. Donc, il nous reste à peu près combien de temps de voyage? Moi, les mailles, bébé. Genre 1h30 de voyage. Donc voilà. On va manger. On a acheté quoi? Moi, je me suis pris un sandwich Donna, poulet rôti crudité, trop bon. Genre avec le pain viennois, c'est trop moelleux, c'est trop bon. Et Guy, il aime pas les tomates, donc il a pris poulet rôti mayonnaise. Donna aussi. Et on a pris genre des chips à l'ancienne de chez Carrefour. Voilà, des petites chips à l'ancienne. Et on a de la boisson, donc on va voir ce qu'on a. Ouais. Donc voilà. À tout de suite. Ah, tout de suite. Franchement, j'ai trop hâte d'arriver parce que là, j'en ai pas dans la voiture. Mais bon, on se retrouve après notre petit repas. Bisous. Bisous. Comme toi là. Et on y fait. Estamos quase a chegar ao nosso ponto de chegada, né? O GPS mandou-nos por uns caminhos assim meio estranhos, no meio das montanhas, com campos, com cavalos. Montanhas, não? Planícies? Planícies, sim. Começou a chover quando chegamos, não foi, baby? É. Mas agora o tempo já não chove, mas... Nós já vimos neve, já vimos chuva, já vimos sol hoje. Ué, já vimos de tudo um pouco. E estamos a chegar ao nosso destino, faltam... 6 quilômetros. É? É. Certo. Faltam 5 quilômetros para chegarmos. Ela ali está cansada, coitadinha. Conduziu muito. E voilà. C'est ça. E de repente... Le trop, putain, ça fait trop. Trop. De repente começou a chover tanto, meu Deus. En plus, il fait grave noir, on dirait presque gris en fait. Et il est que 5h. C'est trop bizarre. Ouais. Chiant, quand même. On est arrivé et franchement, c'est vraiment trop beau. Ouais. C'est vraiment trop beau, je vais vous faire un tour. Parce qu'il fait vraiment trop bon ici. En fait, il pleut dehors, mais à l'intérieur, il fait tellement chaud, tellement bon. Et la déco, elle est juste trop belle. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, on est dans la salle de bain. Donc, en fait, comment je vais vous filmer ça? On va faire comme ça. En fait, là, vous avez la porte d'entrée. Et vous avez genre un petit couloir. Un petit couloir, et là vous avez la salle de bain.
C'est trop 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 beau avec mes petites chaussettes façon marinière. C'est vraiment trop beau. Vous avez tout, les serviettes et tout. Vous avez une douche, un toilette. Là vous avez le grand miroir. C'est comme ça. Vous avez en plus, il y a la machine à laver, machine à sécher le linge. C'est vraiment trop 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 beau. Et ensuite ça donne directement sur la cuisine, genre l'espace l'espace à vivre. Il y a tout quoi. Télé, bouilloire, cafetière, tout. C'est vraiment génial. Il y a des verres, en fait tout est prêt à être utilisé. C'est vraiment juste trop trop cool. Et le frigo, il est pas trop magnifique. Franchement. Et Guy qui vient avec. Vous avez aussi la lampe avec des poissons. C'est vraiment trop cool. Et en plus Astrid, c'est la propriétaire qui nous a mis une petite bouteille de cidre. Franchement, elle est juste trop sympa. Voilà, donc ça s'appelle les filles du bord de mer. Et en fait, c'est plusieurs petits apparts. Et nous, on a celui qui s'appelle l'esprit du port. Donc, mais c'est vraiment trop, trop cool. Et qu'est-ce qu'on peut faire à l'arrière pour le mer ? Donc voilà, on a tout quoi. Même des CD, trucs pour mettre l'iPhone et tout. Un petit cadre. Je vais aussi vous montrer là-haut. Il y a Guy qui prend déjà ses photos là. Hein bébé? Oui. C'est... Donc en fait, ici il y a deux chambres. Nous on avait choisi un appart avec une chambre. Mais en dernier moment c'était déjà pris. Donc on a eu l'appart avec chambre pour les enfants. Donc on n'utilise pas bien sûr. Donc il est comme ça. C'est vraiment trop trop canon quoi. Même si vous venez avec vos enfants et tout. C'est juste trop génial. Donc deux petits lits. Un petit bureau, t'as allumé la lumière. Donc c'est vraiment trop cosy en fait. C'est avec les poutres apparentes, c'est vraiment trop la plage, la mer. Donc voilà. Ensuite vous avez ici le petit coin pour les enfants avec les petits jeux et tout, les livres, machin. Là vous avez un toilette. Et ensuite on passe à la chambre de couple. En fait c'est une suite hein, parce que franchement c'est trop 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 beau. Donc vous avez une télé, lecteur DVD, des DVD, des livres. Vous avez deux penderies en fait. Le grand lit. Et vous avez le petit coin canapé, machin, pour lire vos livres et tout. C'est juste trop 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 beau, franchement. Avec un Velux. C'est juste vraiment trop génial. Franchement, je suis super contente. Et vous avez vraiment la vue sur le port, quoi. Voilà. On est vraiment trop content. Et là on va se prendre un petit café je pense. Parce que 2h, 3h de route, franchement, j'ai conduit à la fin et j'ai cru que j'allais m'endormir. J'avais les yeux qui fermaient au milieu du chemin. Donc on est content d'être arrivé et on va prendre un petit café. Comme il est que 5h30, 6h. J'ai une sale gueule. Putain. Donc voilà, on va prendre un café et peut-être, je sais pas, on va voir après, on va peut-être visiter un hein, bébé. Ouais, c'est le même. Il y a les, comment tu dis ça, les rames, enfin des, je sais pas, de bateaux. C'est juste trop beau quoi, franchement c'est vraiment trop trop beau. Donc voilà, on va se faire un café je pense. On a ramené nos trucs hein, parce que on a ramené des choses à manger et tout. Ici il y a un 8 à 8 à côté je crois. Donc c'est vraiment juste à deux pas d'ici. Donc c'est plutôt cool si on aura besoin de choses et tout. C'est vraiment génial. C'est tip top, franchement c'est vraiment trop bien fait. T'es content? Oui, c'est trop cool. La console de ville. Et attends, mais pour la case. Et un... C'est vraiment trop beau. Ouais, on a nos petits trucs aussi. Elle a mis des petits thés, des petites capsules de café, du sucre. Il y a tout. Franchement, c'est juste trop cool. Au cas où qu'on n'en ait pas pris et tout. Franchement, c'est juste. C'est trop bien.
C'est... Ouais, machine à laver la vaisselle. Je vais vous montrer. J'aime trop ça en fait. Genre les bouilloires façon à l'ancienne et tout. Ouais. C'est trop cool. Matos, t'as l'air. Ouais, un grille-pain. Je crois que tu en as en bas de plus. On a aussi des petites. On va choisir nos. Bien, on va choisir quoi pour prendre le café? Pour prendre celle-ci. On a pas fait la case à côté. Avec qui? Mais je crois que quarte unit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je mange piquer le bébé? Comme ça. C'est beaucoup de voilà. Je connais ça, je ah ouais, il faut qu'on mette nos trucs dans le frigo. Non. On a ramené plein de choses. On a ramené une glacière avec des trucs à manger, genre du jambon, des trucs comme ça. Parce qu'on avait préparé, en fait, on avait préparé les plats pour les 3 jours. Eu trabalho e ela fala. On a pris. On va vous montrer. On a pris des champignons. Champignons de Paris. Donc on va faire des champignons de Paris avec du blanc de dinde, je pense. Sauce champignon. Bon, on a pris des. Du cheddar pour faire des hamburgers. On a pris du fromage râpé. Du beurre. Chambourcy. Ouais. Guy, il aime trop ça, donc on lui a pris des. Ça s'appelle comment ça? Des viennois. Moi, je me suis pris des compotes. Compote pomme fraise et compote pomme banane. On a pris du bacon pour le matin, bacon. Genre. Du bacon avec des œufs. Du jambon, du blanc de dinde. Ouais, enfin du blanc de dinde et du blanc de poulet. Et des escalopes de dinde. Non, moi j'avais mis un bon fromage, que t'as plus mal. On sait pas ce qu'on va manger ce soir. On voulait manger des escalopes de dinde avec le. Si on fait ça ce soir ou demain soir. Ouais. Ou ce soir. Ce soir? J'ai faim. Ouais, vas-y, bah alors ce soir. Donc on le met soir. Pas dans le frigo. Dans le truc, on le met dans le frigo. Ce soir. Mais dans le frigo. Ouais. Et au champ. Quel genre de gâteau que tu vois, ouais. Eu odio, gosta de organizar o seu. Opa. Agora trocamos de posição, baby. Tu arrumas e eu filmo. O nosso pequeno frigorífico. Trabalhadora de serviço. Ah, cidre. La cidre. Logo à noite. Ouais, mais c'est mesmo fantastique. Et le frigorifique est même bonito, non? Ouais. C'est ainsi que je crée. Oceanique. C'est type antique, mais c'est trop cool, mesmo. Et la mesa? Vamos à cette mesa? Non. Isto que nós temos que arrumar agora. Tudo isso. Para 2 dias e 2 pessoas. Temos que nos mostrar a mesa, pessoal. C'est trop cool. Bébé, viens. Bébé. Hein? Il y a les petites fleurs. Comment est-ce que c'est? Sont bonites, les petites fleurs. Si on boit de bain, les fleurs, bébé. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de mettre les serviettes. Ouais. En plus, il y a une fleuriste juste en bas. Ah, ouais, por isso é que cheira bem. Tem uma florista mesmo lá embaixo. Por isso ela deve ter comprado lá. Eu pensava que era de jardim dela. Pode ser. Não. E agora vamos mostrar-vos a mesa. Ai, é mesmo bonito. Fantástico. Não, baby. Hã? A nossa mesa de jantar nos próximos 2 dias e de almoço. Yeah. E pequeno almoço e. Para tudo. Também tem estas pequenas cadeiras. Parecem cadeiras da escola, não parecem, bebê? Tipo, modo antigo. Com números atrás. 76. Agora eu vou meter as flores no chão, porque isso fica mais joli. Ah, agora já aqueceu, não? O nosso primeiro café na nossa nova casa.
Attends, mais je lui. Voilà. Décap pour Elodie. Et coffee for me. Coucou tout le monde, il est 19h. On a enfin pris notre café. On a fait un petit FaceTime avec mes parents pour leur dire qu'on était bien rentrés. Enfin, qu'on était bien arrivés surtout. J'ai de ces cernes, mais je suis fatiguée en fait. Guy, il est parti prendre des photos là-haut pour montrer à mes parents. Moi, je suis dans la cuisine. Je suis sur l'ordi en fait. Je suis en train de parler avec ma mère sur Facebook, je lui envoie les photos. Donc voilà, on va aller faire un petit tour, je pense, avant de manger. On va aller voir un peu les alentours. Franchement, je suis super crevée, mais j'ai trop envie de... Je suis excitée parce que j'ai envie de voir un peu comment c'est autour et tout. Mais en même temps, je suis fatiguée, donc je n'ai rien envie de faire. Il commence à faire nuit, en fait. Mais bon, on va quand même voir un peu ce qui se passe. En fait, moi, j'aurais aimé aller voir la plage, voir comment c'est et tout. Tout de suite, mais je sais pas si c'est trop loin. En même temps, s'il fait un peu nuit, ça va être un peu pas possible de voir, mais bon, c'est pas grave. On va aller voir un peu ici dans les alentours, quoi. On va aller se promener. Oh, bébé. Hello, quoi. Est-ce que tu vois une arche? Tu vois un mouille? C'est une arche? Si. Ah, ici? J'ai oublié de vous raconter la nouvelle du jour en fait. Donc je suis un peu habillée chelou parce qu'on va aller sortir dehors et il fait un peu froid. Donc j'ai mis 3 pulls à Guy, 2 pulls à Guy. Mais en fait j'ai oublié de prendre d'autres chaussures que mes Vans. Donc je suis vraiment trop triste. Je voulais prendre mes bottes de chez Zara avec les talons et tout. Et pour faire des vidéos, pour faire au moins une vidéo look. Mais j'ai complètement oublié. On était sur l'autoroute et j'y ai pensé, je me suis dit, oh, j'ai oublié mes chaussures. Donc j'ai que ça, que mes Vans pour mettre. Ça fait 3 jours. Et en plus, il fait trop froid et elles sont super fines. Ouais, donc je suis un peu dégoûtée, mais voilà. J'ai dit à Guy, je voulais m'acheter des bottes en arrivant ici. Mais on n'a pas encore vu de magasin. Donc voilà, pour l'instant, non. Allô? Allô? Hi, Yassi.
est 23h. Et on regardait deux boys. Ouais. On est tellement fatigués. Franchement, on a mangé, on regardait un peu The Voice, et là, franchement, on est trop crevés. Moi, je suis vraiment trop fatiguée. La musique, elle est fatiguée, je crois. Donc, on va aller se doucher. Et on va regarder, je pense, un DVD au lit ou un truc comme ça. Je crois que le reste m'a arrêté. Donc, voilà. Il faut que j'enlève mon make-up aussi. J'ai mis du fond de teint aujourd'hui, même si on en plein. Mais voilà, et demain le programme c'est Omaha Beach. Je pense qu'on va aller voir la plage. Et voilà le monument, le cimetière. On va voir ce qu'on trouve par ici. Donc on vous emmènera avec nous aussi, bien sûr. Donc voilà, on va finir le vlog après qu'on soit touché et tout. Après, j'ai fait un petit update avec notre petite télé là. Twins. Hello tout le monde, on est enfin posé dans la chambre. On a pris une douche, je me suis enlevé mon make-up. On va se poser un peu sur le canapé. Je pense qu'on va regarder un peu la télé ou un DVD parce qu'il y a plein de DVD. Franchement c'est trop génial, on est trop posé, en plus on est fatigué, donc ça fait du bien. Aguille qui est partie me chercher ma crème que j'avais laissée dans la cuisine. Parce que j'ai la peau qui tiraille de ouf. Je vais vous montrer un peu. Oh my god. On est trop posé quoi. Là-bas on a la télé. Là, le lit là-bas. C'est vraiment trop apaisant, c'est super calme, on n'entend rien du tout. Je pense qu'on va finir le vlog maintenant. Ouais les gars. On vous fait plein de gros bisous. Pour qu'elle soit bilingue, ok. Pour que non soit bilingue, c'est polyglotte, que parle anglais, portugais, français. Tout à fait. Bye.